sol. Avec le pied, voyez comment c'est un mouvement qui peut aller jusqu'à votre tête, comme si ça pouvait vous grandir. La même chose qui est physique, qui se voit, c'est mon bras. Il y a 2 ans, quand je me suis cassé le bras, le toubib m'a dit que je ne récupérerais pas. Ben, j'ai drôlement récupéré. Hein. Mais bon, ça c'est physique. Moi, ça m'a apporté autre chose. Cette espèce d'observation fine et, je dirais, bienveillante. Bienveillante envers moi. D'abord, souvent, je suis émerveillée de ce que mon corps arrive à faire, des trucs que je ne croyais pas possibles. Donc, ce fait d'observer mon corps avec bienveillance, eh ben, ça m'a réconciliée avec moi. Ben, petit à petit, je me suis mis à m'aimer. C'est bien parce que j'ai appris à mettre des coussins là où ça fait mal, là où ça peut pas marcher. Et puis en fait, j'ai mis des années avant de sentir que mes cervicales qui avaient toujours mal, j'ai mis des années avant de sentir que j'en avais plus que 2. Quand on a mal, on en trouve 2 au maximum, celle qui tourne et puis celle qui meurt. Donc on a mal. Et puis, ben, longtemps après, j'ai commencé à sentir que ça fonctionnait à plusieurs, donc que ça faisait moins mal et de moins en moins mal. Ça, c'est spectaculaire quand j'ai vu ça. Je ne sais pas si on peut dire moralement, mais moi, ça m'aide à vieillir. Cette observation fine, lente, respectueuse et bienveillante, c'est rentré dans ma vie. C'est-à-dire que je ne vis pas de la même façon avec ce qui m'entoure. Je suis beaucoup moins dans le faire que dans le ressentir et dans l'être. Je constate tous les jours que j'avance dans cette direction. C'est pas parfait, mais bon, ça m'a vraiment changé. Toi aussi. Je dis qu'à la limite, c'est une méthode de vie. Bah, écoute, c'est exceptionnel. Ouais. Qui nous change de notre éducation d'origine par rapport. On est dans une époque. Et le fait d'apprendre à écouter son corps déjà, sans juger, et puis à l'aider en douceur déjà. Et puis après, cette douceur, on l'accepte pour les autres aussi, quoi. Enfin, on est moins dans le jugement, puis on n'est même plus après. On est plus dans la vérité. On n'est pas dans le montrer. Non, faut être comme ça, ou faut faire bien. Mais on est vraiment dans la vie.